Allez, salut, 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 voilà, c'est toujours moi, nous sommes Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la bourse de l'Allemagne. Voilà, c'est une des bourses de l'Allemagne. Voilà, et c'est une bourse ESMT. Voilà, donc, cette bourse regroupe plusieurs filières. Et ce que moi je voulais vous dire, c'est quoi? C'est une bourse qui est particulièrement fixée sur le management. Vous comprenez? Voilà, donc. Il y a le management dans plusieurs disciplines. Donc, vous pouvez postuler et puis choisir les éléments que vous voulez. Choisir les filières que vous voulez. Voilà. Donc, pour postuler à cette bourse, je voulais aussi vous dire que c'est une bourse pour le master, le doctorat. Voilà. Mais il y a des filières qui proposent aussi des éléments de licence. Voilà. Donc, ceux qui sont en licence, ils peuvent voir, ils peuvent vérifier. Voilà, s'il y a des éléments qui leur siègent, ils vont postuler. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc n'oubliez pas, pour pouvoir postuler à cette bourse, c'est identique aux bourses de Turquie, les bourses de Russie et tout ça. Comment ça se passe? Vous devez d'abord vous enregistrer sur leur site. Je vais mettre le site tout à l'heure quand vous allez voir la vidéo en commentaire. Et regardez toujours en commentaire en ce qui concerne les liens pour pouvoir postuler. Voilà. Donc, je vais mettre le site. En commentaire et puis vous allez essayer de postuler pour le mieux. Voilà, donc ce que je disais, vous allez d'abord vous enregistrer sur le site. Après avoir fait l'enregistrement, vous allez maintenant commencer à postuler en temps réel. Voilà, donc le conseil aussi que je vous donne, c'est de mettre vos documents toujours de façon numérique. Voilà, donc mettez vos documents de façon numérique sur votre poste, sur votre ordinateur. Ainsi, vous allez mieux postuler et vous allez postuler plus facilement. Voilà, donc c'était le conseil que je voulais vous donner. Alors maintenant, on va aller sur le site. Et puis voilà. Mais n'oubliez pas, donnez-moi de la force en cliquant sur une pouce bleue. Parce que quand vous cliquez sur une pouce bleue, YouTube fait mieux ma promotion. Vous comprenez? Voilà. Et puis essayez aussi de partager mes vidéos. Vous regardez, c'est vrai, vous ne savez pas l'endurance que j'ai pour le faire. Donc, partagez la vidéo pour que je sois un peu plus à l'aise. Alors, donc, on y va et puis je vous montre comment est-ce que on enregistre aujourd'hui. Et je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer comment postuler. Voilà, donc, on y va. Donc voilà un peu le site. Voilà, comme je le disais, je vais mettre le lien en commentaire, comme ça vous allez voir. Voilà, c'est une bourse allemande. Donc n'ayez pas de sang-froid, postulez comme vous l'entendez. Et puis voilà, ceux qui ne comprennent pas, je le répète, vous pouvez nous écrire via notre compte WhatsApp, comme ça on pourra vous répondre pour vous donner quelques directives. Donc ici, comme vous le constatez, ici je viens directement ici. Donc cette bourse et vous faites par quoi? Par l'UMST. Voilà. Donc, ils offrent aussi des bourses de rabais Early Bird. Date limite au 31 mars. Voilà. Et voici les éléments. Le candidat qui postule, qui complète leur candidature au programme MIM avant la date ci-dessous seront automatiquement considérés pour une réduction anticipée sur les frais de scolarité. Ça, c'est une autre bourse. Voilà. Ça, c'est une autre bourse. Il y a aussi une bourse d'exonération de 30%. Voilà, ça c'est eux qui gèrent tout ça. C'est eux qui gèrent. Donc, nous, la bourse que nous allons postuler, c'est une bourse qui est complète. Voilà, c'est une bourse qui est complète. Donc, quand vous venez là, vous voyez que on dit les candidatures sont maintenant ouvertes. Donc, vous pouvez maintenant appliquer. Ok, pour appliquer, comme je vous le disais, d'abord, je vais vous montrer comment est-ce qu'on s'enregistre sur le site. Vous comprenez? Voilà, je vous montre comment on s'enregistre sur le site. Et puis après, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on postule. Voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça, la vidéo sera pas trop longue. Et puis voilà. Donc ici, comme vous n'avez pas de compte, tout ça, vous allez créer un compte. Voilà, donc pour créer un compte, vous venez juste dans créer compte. Voilà. Et vous remplissez les éléments là. Donc, ici,
On dit quoi? On dit first name, donc votre prénom, votre nom, adresse email, et puis votre password. Maintenant, le mot de passe doit avoir 8 caractères. Dans les 8 caractères, il faut avoir un symbole, il faut avoir une lettre, et puis il faut avoir un nom. Vous comprenez? Voilà, donc ça, c'est le minimum qu'il faut avoir dans les 8 caractères. Voilà, donc si par exemple, je commence par quoi? Par mon prénom, je peux mettre par exemple. Auto, ça c'est mon prénom, mettez votre prénom et mon nom, je mets par exemple Fida. Voilà, ça fait un peu arabe, mais voilà. Donc ici, l'adresse email, je mets mon adresse email. Voilà, WordWarsia 485. Voilà, mettez vraiment votre adresse email parce que vous allez recevoir un message sur votre adresse email que vous devez confirmer. Avant, vous allez recevoir l'adresse. Vous allez recevoir un message sur votre adresse email pour pouvoir confirmer avant de commencer à postuler normalement. Tant que vous ne confirmez pas, vous n'allez pas pouvoir postuler. Voilà, donc ici, on dit 8 caractères. Donc, dans les 8 caractères, il faut avoir un symbole, une lettre, et puis une lettre majuscule, et puis quoi, et puis un nom. Donc, c'est qu'on va commencer. Moi, je vous conseille de prendre comme ça la lettre majuscule au début. Voilà. Et puis, le reste, ça dépend de vous. Mais il faut avoir 8 caractères. Actuellement, ça fait combien de caractères? 1, 2, 3, 4, 5. Ça reste 3 caractères. 6, 7 et 8. Je crois que c'est bon. Vous comprenez? Voilà. Donc ici on dit un symbole. Ok, comme ils disent un symbole, alors je vais effacer un caractère ici et je vais mettre un symbole. Les symboles, ça peut faire les arobases, les tirets, les tout et tout ça. Donc moi je vais mettre l'arobase. Vous voyez que le symbole ici est en rouge, ça veut dire que le symbole n'est pas encore rempli. Alors qu'ils ont dit 8 caractères. Donc les 8 caractères c'est déjà bon. La lettre aussi c'est déjà bon. Et puis ici pour le digital aussi, en ce qui concerne le nombre, c'est déjà bon. Donc, comme c'est 8 caractères, je vais effacer le dernier qui est là et je vais mettre un symbole. Donc, pour mettre le symbole, je vais mettre l'arobase, je crois. Ou bien je vais mettre un tiret. Voilà. Donc, j'ai mis un tiret, je vais compter pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, 8. Ok, donc tout est déjà bon, vous voyez. Voilà, donc là maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre un sign-up pour voir ce qui va se passer. Donc, je m'enregistre. Ok, on dit date de protection de régulation. Your data will be useful exclusively for processing your application and for registration and will not be transferred to third persons. Except the IP address. Please read our privacy policy here. I accept it. Donc, ils disent que bon, ça, ils disent que vos données ne seront pas transférées vers une autre personne et tout, que ce sera seulement que vous et tout ça. Donc, maintenant, continue. Donc, une fois que je mets continue, moi, j'enregistre toujours sur mon PC. Voilà, ici, on dit, vous mettez, vous. I would like to receive information by email. Oui. I don't want to be contacted with the type of information. Donc, prenez le premier. Vous serez informé par email. Donc, c'est pas un problème. Et je mets continue. Si vous pouvez aller vérifier dans votre boîte mail si vous avez reçu une information. Voilà, ils vont vous envoyer des éléments et vous allez continuer votre remplissage ici. Vous voyez bien, ici c'est pas encore fini. Vous avez fini de remplir là-bas. Vous devez maintenant, on dit quoi? On dit please submit the form below before you access your application. Donc, vous devez faire quoi? Vous devez maintenant remplir les éléments qui sont là parce que c'est pas encore fini. Vous devez continuer à remplir ces éléments qui sont là avant de commencer à postuler. Donc, une fois qu'ils mettent required, ça veut dire que c'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire. Donc, on va continuer. On va mettre la date de naissance.
La date de naissance, je vais prendre 18 2021, non, 18, je vais prendre l'an 2000. Janvier l'an 2000. Voilà, je vais prendre l'an 2000 comme ça fait un peu moins jeune. Voilà. Donc, le 2 septembre 2000. Et la nationalité, jamais quoi, jamais Côte d'Ivoire. La nationalité, je vais mettre Côte d'Ivoire. Ok, qu'est-ce qu'ils disent? Je mets Côte d'Ivoire, programme of interesting. Donc, ça va dépendre de vous. Comme je vous le disais, soit vous faites un master ou bien vous faites un MBA. Voilà, donc master management. Quand on dit master management, dans un premier temps, vous postulez à ça. Et après, quand vous allez finir de postuler, voilà, il y aura, quand vous allez mettre master in management, après, il y aura un élément où vous pouvez changer pour prendre soit les mathématiques, les physiques, et tout ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, I would like to receive information by email, ici encore. Et puis maintenant, ici, vous mettez submit. Vous comprenez? Voilà, donc vous mettez submit. Une fois que vous mettez submit, ils vont vous envoyer un lien ou bien ils vont vous envoyer un message dans votre boîte mail. Vous comprenez? Et là, vous allez répondre avant de pouvoir continuer. Voilà. Si vous n'avez pas encore répondu, vous ne pouvez pas continuer. Regardez un peu vers le bas ici. On dit quoi? Email non vérifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez d'abord confirmer le mail dans votre boîte mail. Vous allez dans votre boîte mail, vous confirmez le mail avant de venir sur le site pour venir appliquer. Donc, lancer l'application ici. Quand on va venir, nous, on a choisi un master. Ici, vous avez vu, ils ont un master en gestion. Vous cliquez ici. Voilà. Vous cliquez là. Et vous lancez. Ici, on dit quoi? On dit vous n'avez pas encore commencé ou soumis de candidature. On s'est seulement enregistré. Une fois que vous finissez l'enregistrement, vous venez ici et vous appliquez sur le thème que vous avez choisi dans votre inscription. Ici, par exemple, master en gestion. Vous cliquez sur master en gestion et ça vous envoie là-bas. Mais d'abord, vous devez confirmer votre email. Donc, pour confirmer l'email, vous allez. Ok, je vais vous montrer comment est-ce qu'on confirme l'email. Vous allez dans votre boîte mail. Donc, je vous montre rapidement comment est-ce que vous devez confirmer le mail. Comme ça va aller un peu plus vite. Et on va s'arrêter là pour. Je n'ai pas pris ce compte. J'ai pris le compte de Monsieur le Russe 225. Voilà. Donc, on va aller dans. Voilà. Donc, si vous remarquez bien. Vous voyez ici par exemple c'est ESMT Berlin ici, donc on va vérifier le mail qu'ils ont envoyé et on va confirmer. Voilà, on dit welcome photo, please follow the link below to verify your mail. Donc c'est avec ce lien là que je vais vérifier mon mail. Please have in mind that activation link is valid for 24 hours. Donc si vous ne touchez pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne touchez pas ce lien jusqu'à dans les 24 heures, ça sera plus accessible. Donc, une fois que vous faites votre enregistrement, vous finissez rapidement ce lien. Donc, on va cliquer sur ce lien. Une fois qu'on clique sur ce lien qui est là, ça nous valide automatiquement notre inscription pour dire OK, maintenant vous pouvez continuer. OK, donc comme je vous le disais, voilà, donc je vous ai déjà montré le lien. Le lien est toujours en commentaire. Lorsque vous cliquez, vous allez d'abord vous enregistrer. Une fois que vous finissez l'enregistrement, voilà, vous allez dans votre boîte email, vous confirmez votre email et vous serez dirigé ici. Voilà, donc ici vous avez vu qu'il y a plusieurs types d'applications. Il y a Executive MBA, Full Time MBA. Bon, je vais mettre en français comme ça vous allez mieux vous retrouver.
tant que je mets en français. Comme ça sera mieux pour tout le monde. Voilà. Je crois que c'est bon. Je vais mettre en français un instant. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ici, si vous avez bien remarqué, on a quoi? MBA en ligne mondiale, on a Masters en gestion. Cela dépendra de ce que vous avez choisi là-bas. Voilà. Nous, là-bas, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi, dans l'enregistrement, on a choisi Masters en gestion. Donc, c'est par là qu'on va lancer l'application. Donc, vous cliquez sur Masters en gestion et on verra ce qu'il y a à choisir. Donc, ici, on dit quoi? Application option. Please select an option. You can change your election later. Choose a program or subject. Donc ici, Masters in Management, choose a class of course. Voilà, donc ici, on compte aller pour les études. Si on a eu, cette bourse, on compte aller pour les études pour septembre 2021. Ok, donc c'est bon. Septembre 2021, et puis Masters en gestion, donc on peut continuer. Donc on continue. Voilà, où ça nous envoie un instant. Donc c'est un peu ça. Donc vous choisissez l'élément que vous avez choisi lors de votre inscription. Voilà. Même si vous n'avez pas choisi ça là-bas pendant votre inscription, ici vous pouvez changer, vous pouvez prendre autre. Voilà. Cela dépend de vous. Ce que vous avez fait pour la première fois pour l'enregistrement n'est pas lié à ce que vous allez faire ici. Vous comprenez? Voilà. C'est seulement les données que vous avez mis là-bas qui sont liées. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc ici nous allons voir maintenant sur l'élément d'application et puis on va essayer de voir ce qui suit. Ok, donc on dit vos réponses sont enregistrées automatiquement. Donc on va voir d'abord ce qu'on nous propose. Excusez-moi, mais c'est la connexion qui est un peu lente. Voilà, donc un instant, ça va venir et puis on va continuer. Donc on dit toutes les réponses sont enregistrées automatiquement lorsque vous remplissez chaque champ. Vous pouvez quitter et continuer plus tard sans perdre votre progrès, aucune progression. Donc, ça, j'espère que vous avez déjà compris. Voilà, ça veut dire que si vous n'avez pas toutes les informations, ou s'il y a des documents qui manquent, vous pouvez vous enregistrer et après remettre les documents, ça ne change rien, c'est pas grave. Donc, comme je vous le disais, on va continuer ici. Donc, cette page, nous avons cette page. Voilà, donc on va continuer de remplir. Voilà. On va continuer de remplir à cette page. Ici, il y a des éléments qui sont importants. Vous avez mis required, ça veut dire que c'est obligatoire. Voilà. Et nous avons déjà rempli l'email et tout ça. Voici la date de naissance, nous avons déjà mis. Voilà, nous avons déjà fait tout ça. Donc on va commencer par là. Donc le gendre, c'est quoi? C'est masculin. Voilà, donc c'est mâle. Ici et la nationalité c'est Côte d'Ivoire. Ok, et autre nationalité, si vous avez autre nationalité vous mettez. Maintenant statut, vous êtes marié, non marié. Voilà, et ici vous mettez par exemple comme ça. Attends, je vais mettre en français comme ça on va mieux se retrouver. Ici on dit le candidat non européen veut télécharger la page information principale de votre passeport. Donc ici vous mettez les éléments de votre passeport ici, vous comprenez? Voilà, donc si vous tapez, vous cliquez deux fois sur le lien, l'élément qui est là, la page qui est là, vous cliquez deux fois, ça vous envoie ici et vous allez directement parcourir dans votre ordinateur. Voilà, vous allez dans votre ordinateur et vous choisissez votre page de, donc moi je vais choisir ça. Voilà, moi je vais choisir ça. Mais vous choisissez votre passeport. Voilà. Et vous mettez là. Donc une fois que c'est fini, vous téléchargez le passeport. Ce qui est là. Et le passeport vient s'installer directement ici. Donc ce que je voulais rappeler, c'est quoi? Si vous avez bien vu, ils ont mis carte d'identité ou passeport. Donc si vous avez votre carte d'identité, ça veut dire que vous pouvez postuler. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, l'adresse. Où vous vivez actuellement, par exemple. Voilà, donc vous mettez l'adresse où vous vivez. Bon, je vais prendre ça, c'était pour un abonné. Je crois bien, je vais prendre ça. Ou bien, je vais prendre ce qui est là. Voilà.
Mais si ils pensent qu'il est là, ils vont automatiquement mettre les éléments. Donc, je vais réécrire, ça sera mieux. Voilà, je vais réécrire comme ça, vous allez mieux voir. Donc ici, pour la ligne d'adresse, je vais prendre par exemple, bon, en Côte d'Ivoire, je prends mes coordonnées que j'avais en Côte d'Ivoire. Serge Kassi. Ou bien l'adresse, bon, je vais prendre mon adresse. Là, c'est l'adresse que j'avais là-bas. Voilà, donc ligne obligatoire et la ville aussi. Je vais mettre Abidjan. Voilà, on considère que je suis en Côte d'Ivoire, donc c'est comme ça que vous allez remplir. Voilà, donc on dit code postal et tout ça, c'est pas obligatoire. Voilà, c'est pas obligatoire si vous voulez. Ok, j'ai fait une erreur ici. Je vais mettre ici. Si ça c'est un code, ça c'est un code postal, donc je l'ai mis à la place de l'adresse. Vous pouvez prendre ce qui est là, code postal, pour l'envoyer ici. Voilà, et l'adresse, est-ce qu'il y avait mis au commencement? L'adresse, je mets par exemple. C'est ici. C'est ici. Appartement 4. Voilà, je mets ça comme ça. Voilà. Donc, maintenant, ici, code postal de campagne. Ici, c'est quoi? Allez voir. Ok, voyons voir. Avançons et je vais voir comment est-ce que... Donc, ici, de campagne obligatoire. Ici, on dit quoi? C'est quoi? C'est adresse de campagne. Code de pays, code de ville et numéro. Par exemple, si tu es en Côte d'Ivoire, ça serait plus 225. Voilà. Plus 225, et mon numéro 59, 33, 12, 44. Voilà, vous mettez ça comme ça. Et ici, Amal, Alcalou, France. Voilà Côte d'Ivoire. Donc Côte d'Ivoire est là. Ok, donc maintenant on va avancer. Remarquez bien, il faudra que l'élément soit en vert. Voilà. Après personnel, on doit passer sur application. Donc si c'est bon, ils vont nous laisser passer sur application comme ça. Ok, application. Mais l'élément est toujours en rouge. Et on nous dit qu'on doit remplir 3 champs obligatoires. Donc on va les remplir avant d'avancer. Voilà. Ah, personnel, c'est le nom et prénom. On n'a pas rempli le nom et prénom. Tout ce qui est obligatoire, vous devez remplir. Donc j'avais pris quoi? J'avais dit que je m'appelais quoi? Je m'appelais comment déjà là? Poto. Voilà. Poto. Deuxième prénom, je n'en ai pas. Et nom de famille, j'avais mis Dico. Voilà. Donc ici aussi, j'avais pris Word aussi. Alors, ça c'est le mail du compte YouTube que vous voyez là. Voilà. Donc nous avons rempli maintenant les 3 parties, donc j'espère que ça sera en vert. Si ce n'est pas en vert, ça veut dire que vous n'avez pas encore fini. Voilà. Donc vous remarquez bien, personnel passe en vert, ça veut dire que ça va. Donc vous passez maintenant sur application.
application, on dit quoi? On dit veuillez choisir votre apport qui est obligatoire. Ici, nous avons choisi un master en gestion et nous allons pour septembre 2021. Veuillez choisir votre piste. La piste, voyons voir, on a combien? On a gestion innovante, on a gestion innovante et puis on a entreprise qualitative. Donc, on va prendre gestion innovante. Voilà. Veuillez nous donner une description franche de vous-même en soulignant vos forces et vos faiblesses et les principales expériences qui ont eu un impact sur votre développement personnel. Veuillez donner des exemples. Voilà, ici c'est comme une lettre de motivation, comme ça. Voilà, c'est comme une lettre de motivation. Donc c'est à vous maintenant d'écrire votre lettre de motivation. Vous n'êtes pas obligé de prendre les miennes. Vous comprenez? Voilà, vous pouvez vous-même créer vos lettres de motivation. Et ici, donc, pour pouvoir avancer un peu plus rapidement, on dit veuillez donner une description franche de vous-même, en soulignant vos forces et vos faiblesses. Donc, je peux commencer par, je me nomme, je vais faire une lettre majuscule. Je me nomme Tico Poto. Ça, c'est pas mon nom, mais c'est pour vous aider à remplir. Je me nomme Tico Poto. Remarquez bien, c'est 5, c'est le total, c'est 350 mots. Voilà, donc je me nomme Tico Poto. Et par exemple, si je vais pour le master là-bas, ça veut dire que j'ai fini la licence. Je viens d'obtenir une licence en économie. Je vous rappelle très bien que vous n'êtes pas obligé de prendre les miennes. Voilà, vous faites ce que vous-même vous avez et puis ne faites pas de copier-coller. Je me nomme Dico Poto, je viens d'obtenir une licence en économie option audit, par exemple. Voilà. Option audit. Option audit. Et comme ça. Et suite aux recherches. Recherche effectuée sur Internet. Et suite aux recherches effectuées sur Internet, j'opte. Pour 7 bourses, 7 bourses allemandes. Ça, c'est un exemple que je dis. Vous comprenez? C'est un exemple que je souligne parce qu'on vous dit de faire une description franche de vous-même. Voilà, en soulignant votre force et vos faiblesses. Vous comprenez? Et les expériences qui ont eu impact sur votre développement personnel. Donc j'opte pour cette bourse allemande car d'après mes recherches, donc je vais mettre par exemple ici sur internet je vais mettre point pour ne pas que on ait une longue phrase. Donc essayez de raccourcir un peu vos phrases pour ne pas entonner. Voilà, si je veux dire ça comme ça. J'opte pour cette bourse allemande car d'après mes recherches Google, ok, elle
elle permet une suite favorable. Une suite favorable à mes compétences en option. Je vous dis très bien, je fais ça sur le coup, donc vous concentrez-vous très bien, voilà, avant de pouvoir l'écrire. Vous voyez, cette partie est très importante. Donc elle permet une suite favorable, donc on enlève S à mes compétences en option gestion et audit. Maintenant, vous pouvez leur dire ce que vous avez fait. Si vous avez fait par exemple un stage et tout ça, donc ici, contenu. De mon stage dans une entreprise de la place, je vous dis très bien, ne recopiez pas ce que sont écrit, parce que je fais ça sous le coup. Voilà, vous devez mieux faire. Voilà, donc contenu de mon stage dans une entreprise au pays, dans une entreprise au pays, contenu de mon stage dans une entreprise au pays, contenu de mon stage dans une entreprise au pays. Je me suis chargé. Je me suis chargé d'une compétence que je juge d'une compétence fiable, mais que je juge incomplet. Une compétence incomplète. Que je juge fiable, mais je me charge d'une compétence. Je me suis chargé d'une compétence fiable, mais que je juge incomplète. Voilà. J'espère que vous écrivez très bien, c'est ce que je vous ai dit. Concentrez-vous et puis voilà, écrivez très bien. Maintenant, moi, je vais m'arrêter là. Voilà, c'est juste un exemple que je voulais donner. Et ici, on dit qu'est-ce qui compte le plus pour vous et pourquoi. Donc ici, qu'est-ce qui compte le plus pour vous et pourquoi. Donc si j'ai choisi le thème de d'option audit, et voilà. Donc si je choisis l'option audit et gestion, qu'est-ce que je peux dire en fonction de là, en fonction de cette option. Donc ce qui serait important pour moi, c'est de faire quoi? C'est la régularité, voilà, et la clarté de toutes choses en entreprise. Voilà, donc qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Suite. Et stage obtenu ou stage exercé suite au cours et stage exercé, ce qui compte le plus pour moi est de
terminer. Voilà. Un titre d'expert comptable. Ça c'est un exemple. Voilà. D'expert comptable. D'expert comptable. Et pourquoi? Afin de vérifier la clarté et la gestion et la bonne gestion et la bonne gestion en entreprise. Voilà, suite au cours et stage SSC, ce qui compte le plus pour moi est de terminer par un titre d'expert comptable afin de vérifier la clarté. Donc vous pouvez corriger, bon, s'il y a des éléments qui sont là, par exemple l'économie, ils veulent que je mette accent, d'après ils veulent que je mette accent, compétences, ils veulent que je mette accent, incomplet, ils veulent que je mette accent, compétences, ils veulent que je mette accent, ici aussi d'une, comme ça, et vérifier, ils veulent que je mette accent, clarté aussi, ils veulent que je mette accent, voilà, poto c'est un nom, donc ça reste comme ça, ils ne savent pas, donc c'est ce qui est là. Maintenant ici comme ça, on me demande de veuillez préciser vos objectifs de carrière à court et long terme et comment le programme de maîtrise en gestion de l'ESM vous aidera à les atteindre. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce que vous voyez là, par exemple, vous comprenez, ce que vous voyez là, c'est comme une lettre de motivation ou bien une lettre d'intention. Voilà, donc c'est à vous de faire pour vous, voilà, pour que vous soyez un peu plus à l'aise avec votre matière que vous avez choisi ou bien avec la filière que vous avez choisi. Voilà, moi je remplis parce que si je ne remplis pas, je ne pourrai pas avancer. Voilà, ou bien même si parce que si je remplis pas, je ne pourrai pas postuler. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais pour ce qui va suivre, je vais juste donner des appréciations, je vais juste donner des recommandations, comme ça vous-même vous allez pouvoir postuler, vous allez pouvoir avancer. Voilà, donc ici on dit de préciser vos objectifs de carrière à court terme et à long terme. Voilà, donc à court terme c'est l'histoire d'audit, voilà, et puis à long terme je veux être expert comptable. Maintenant, comment est-ce que le programme de maîtrise en gestion vous aidera à les atteindre? Voilà, je sais que à l'ESMT, là-bas, il y a une bonne technique d'apprentissage. Vous prenez tous les exemples sur cette partie de cette université ou bien cette partie de. Je vais mettre le lien en commentaire en ce qui concerne l'ESMT. Comme ça, vous allez prendre toutes les informations et par rapport à ces informations, vous allez pouvoir les confronter pour pouvoir écrire vous-même votre essai ou bien votre lettre d'intention ou bien votre lettre de motivation. Parce que si je veux continuer, c'est pas maintenant que je vais finir ici, ce sera un peu très long et la vidéo sera très 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 lourde. Donc ici, programme de bourse IMST, ici veuillez vous familiariser avec les options de bourse sur notre site et choisissez oui si vous souhaitez concourir à une bourse. Oui, vous allez concourir aussi à une bourse. Voilà, donc ici aussi vous allez donner tous les éléments pour pouvoir postuler à cette bourse, vous comprenez. Voilà, veuillez nommer le programme de bourse que vous voulez postuler et tout ça. Le programme de bourse, quand on a commencé dans les premiers instants, vous avez vu tous les types de bourse là-bas. Voilà, donc vous les remplissez ici aussi. Voilà, donc pour ceux qui ne comprennent pas, il y a toujours dit, nous avons un type de coaching en ligne que vous pouvez nous joindre d'abord sur WhatsApp et puis par rapport à cela, on va toujours vous aider pour les bourses qu'on met en ligne. Voilà, donc ici contest éducatif et résultat du test. Voilà,
Donc ici, veuillez fournir à l'USM une description de votre formation précédente en commençant par votre diplôme et tout ça. Vous comprenez? Donc le niveau ici, le niveau de diplôme, ce que vous avez, par exemple, voilà. Ici, on dit ajouter une autre réponse dans le coin inférieur droit. Veuillez noter que et puis ici, on dit les copies du ou des relevés de notes, des diplômes ou des certificats en traduction officielle, en cas échéant, de tous les programmes énumérés seront requises dans la section téléchargement obligatoire. Voilà. Donc ici, par exemple, sélectionnez une option. Le niveau de diplôme que vous voulez faire, c'est quoi? C'est Master. Ici, titre du degré, par exemple, Master en commerce. Nous n'avons plus Master en économie, gestion. Voilà, donc vous mettez là. Ici, nom de l'institution. Nom de l'institution. Ici. Et ici, type d'institution, lien vers le site web de l'institution. Ici, pays, région. Ici, ville, domaine d'études. Voilà. Donc, les éléments qui sont là, vous les remplissez normalement. C'est pas. Si je veux faire, c'est ce que je vous disais, si je veux les compléter, ça sera tellement, tellement, tellement lourd pour pouvoir vous envoyer cela. Donc, je suis en train juste de vous montrer comment ça se passe. Voilà, et puis quels sont les éléments qui s'y trouvent. Donc, une fois que vous finissez là, vous venez sur expérience professionnelle. Expérience professionnelle, je sais que vous savez déjà ce que ça signifie. Voilà. Voilà, donc si vous avez fait des stages, vous avez travaillé ailleurs, si vous avez fait quoi que ce soit, vous pouvez mettre ça là. Veuillez utiliser cette section pour lister toute expérience professionnelle que vous pouvez avoir, y compris les stages. Voilà, donc c'est ce que je disais, les bénévolats en commerce, en commençant par la plus récente. Voilà, donc vous pouvez mettre là. Si vous avez une expérience professionnelle, vous pouvez mettre là. Voilà. Et puis, vous mettez votre CV ici. Vous comprenez? Vous mettez votre CV là. Vous téléchargez le CV. Vous venez sur Parcourir. Ça va dans votre ordinateur. Vous choisissez le CV et vous l'indiquez ici. Voilà. Donc, je vais mettre annuler parce que je vais pas continuer. Donc, vous mettez le CV. Voilà, une fois que vous mettez le CV, vous mettez le nom de l'entreprise où vous avez travaillé, leur site internet, si vous l'avez, le type d'expérience. Voilà, si vous avez travaillé en tant que. Vous avez eu quel poste dans le type de stage que vous avez fait et quelle ville et le pays aussi. Voilà. Donc, tout ça, vous remplissez tout. Et après cela, vous venez dans recommandations en ligne. Ça, on a déjà fait. Vous avez la possibilité d'envoyer votre demande de recommandation maintenant ou de télécharger une lettre de recommandation dans l'onglet suivant. Pour envoyer la lettre de recommandation maintenant, veuillez remplir les coordonnées de référence choisies pour inviter le référent listé ou soumettre le formulaire de demande ISM. Donc ici, il y a deux options. Ici, pour la lettre de recommandation, il y a deux options. Soit, c'est ce que je vous disais, soit vous faites une lettre de recommandation de vous-même pour une personne, bon, grâce à une personne, genre un prof et tout ça. Voilà, et vous téléchargez ça ici. Voilà, ou vous téléchargez ça ici. Ou bien, si vous voulez, vous remplissez directement les coordonnées que vous avez vous-même pour la lettre de recommandation. La demande de référence n'a pas été envoyée ici. Prénom de la personne qui vous recommande, son nom de famille, son adresse email, où il travaille et tout ça, et puis il occupe quel poste. Voilà, c'est pas, par exemple, un nom de famille, une personne, et puis son adresse email, je mets l'organisation, je mets par exemple comme ça, université d'Abidjan, je mets son poste, je mets professeur de mathématiques ou bien professeur d'économie. Et maintenant, une fois que vous finissez, vous envoyez la demande par ici. Voilà. Maintenant, si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire en ligne, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici. Téléchargement de recommandations ici. Vous savez que vous l'avez déjà écrit. Vous avez déjà la personne vous a déjà envoyé sa lettre de recommandation, mais qui a été tapée sous Word et puis téléchargée en PDF. Donc la personne vous envoie et vous mettez ça ici. Vous comprenez? Avez-vous une recommandation préécrite que vous aimeriez télécharger? Tu mets oui. Et puis l'élément vous permet de
vous permet de télécharger ici. Mais avant de télécharger, vous devez mettre tous les éléments de la personne ici. La personne ici, non, son nom et prénom, nom de famille, où il travaille, université, si vous voulez, ou bien il est docteur en quoi. Voilà, titre et poste, il est docteur en économie ou bien en finance, vous mettez tout ça. Voilà. Donc, son numéro de téléphone, son adresse email, contexte de relation, par exemple, il a été votre prof de mathématiques, ou bien c'est votre cousin, ou bien c'est votre frère. Voilà. Mais ce que je vous conseille, ne mettez pas frère et cousin et tout ça, mais soit un professeur, votre professeur, il a été votre professeur de mathématiques, un truc comme ça. Voilà. Donc, ici, vous mettez, vous remplissez, vous mettez la lettre de recommandation ici. Donc, vous allez dans votre ordinateur avec Parcoursi et vous prenez la lettre de recommandation pour l'envoyer sur le site. Voilà, vous faites comme pour le premier instant ce que j'avais fait là-bas. Voilà, donc j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ici, pour la lettre de recommandation, il y a deux éléments. Soit vous le mettez directement en ligne, c'est-à-dire ici. Voilà, recommandation en ligne. Si vous ne pouvez pas les mettre en ligne parce que vous n'avez pas encore. Vous n'avez pas encore parlé de cela à la personne qui doit vous recommander, alors vous prenez ici téléchargement de recommandation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va finir de l'écrire et vous envoyer par mail, et vous aussi vous allez remplir ça ici. Donc tout ce que la personne va mettre en tête de la lettre de recommandation, vous les réécrivez ici, vous comprenez, vous les réécrivez là et vous téléchargez cette lettre que la personne vous a envoyée grâce à l'espace qu'elle a. Voilà. Donc, une fois que vous parcourez ici, vous allez voir l'élément et vous allez cliquer sur téléverser un fichier. Vous allez télécharger ça pour mettre sur leur application. Voilà. Donc, j'espère que ça va. Si vous avez besoin de postuler, cette bourse est très importante. Donc, si vous avez besoin de postuler et que vous ne comprenez pas des éléments, vous pouvez nous écrire pour un coaching. Donc, ici, maintenant, on arrive là. Déclaration. Je fais une demande d'admission au programme de maîtrise en gestion de l'ESM Berlin. Je comprends que la décision de m'offrir une place relève de la seule autorité de l'école et que sa décision administrative est définitive. Je confirme que les informations fournies dans ma candidature sont exactes et véridiques. J'autorise par la présente ESM Berlin à effectuer une vérification des antécédents de mes informations d'identification sans préavis afin de prendre sa décision d'admission. Je comprends que l'ESM Berlin se réserve le droit d'annuler toute offre d'admission si j'ai omis des informations pertinentes ou donné des détails faux ou incorrects. Enfin, je confirme que je n'ai pas échoué ou été expulsé ou exclu, radié de tout programme d'études menant à un master de sciences. Donc ici, je suis d'accord, oui. Et maintenant, une fois que vous êtes d'accord, vous pouvez avancer. Vous voyez que c'est en vert. Et on arrive sur le thème de paiement. Le thème de paiement, c'est pas un élément de paiement en tant que tel. C'est juste pour le paiement de 50 euros pour l'admission. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est pour l'admission. Donc, ceux qui disent tout le temps qu'ils n'ont pas d'argent et tout ça, c'est pas la peine de pouvoir postuler à cette bourse. Voilà. Parce que ici, une fois que vous finissez tout, vous allez payer 50 euros, vous allez leur payer 50 euros avant qu'ils ne prennent votre document en compte, qu'ils ne prennent votre poste en compte, vous comprenez. Et pour pouvoir postuler, c'est sous forme PayPal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le titre PayPal, vous pouvez m'écrire en inbox, je vais vous montrer comment ça se passe. PayPal, vous pouvez télécharger l'application PayPal aussi et vous abonner PayPal, vous créez un compte PayPal, vous mettez de l'argent sur PayPal et vous le payez avec PayPal. Vous comprenez? Pour payer avec PayPal, on dit vous serez dirigé sur la page PayPal pour terminer le paiement. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour finaliser le paiement, vous, ici, à votre demande, et cliquez sur le bouton soumettre pour terminer votre demande. Vous comprenez? Voilà. Donc, lorsque vous allez cliquer ici, ils vont vous diriger sur PayPal. Voilà. Ils vont vous diriger sur l'application PayPal et c'est de là-bas que vous allez payer votre PayPal. C'est juste un lien. Voilà, c'est juste un lien. Moi, j'ai un compte PayPal et c'est juste un lien. Vous allez vous payer par PayPal et vous revenez sur le site pour dire ok, c'est fini et c'est confirmé, et ils vont prendre en compte votre dossier. Si vous n'avez pas d'argent sur le champ, vous pouvez d'abord attendre. Voilà, vous ne pouvez pas soumettre, vous pouvez attendre et après
Une fois que vous avez fini de payer, vous allez maintenant continuer. Ici, par exemple, on dit, nous avons pas pu effectuer votre compte PayPal pour que PayPal fonctionne à nouveau, vérifier. Donc, il vérifie mon compte PayPal. J'ai un compte PayPal, c'est parce que j'ai un compte PayPal. Si vous n'avez pas de compte PayPal, rien ne va s'afficher. Vous allez, par exemple, bon, donc, ici, vous rentrez ici pour votre compte PayPal et tout ça. Mais si vous n'avez pas de compte PayPal, je vous ai dit, vous pouvez m'écrire. Je vais vous montrer comment est-ce que on fait pour payer sous les comptes PayPal. Voilà, donc moi je vais me retourner, je vais repartir sur le compte et c'est comme si j'ai déjà payé. Voilà, genre je reviens sur le compte, c'est comme si j'ai déjà payé. Une fois que vous finissez de payer, vous allez voir que ici va faire, ici ça sera bien en bleu foncé qui va dire nous fait parvenir. Donc quand vous cliquez là, vous allez voir que votre demande sera prise en compte et ça sera tout pour cette bourse. Et c'est comme si vous avez postulé à la bourse de l'Allemagne et vous attendez. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que la bourse prend fin le 26. Voilà, donc faites un peu l'effort de faire un peu plus rapidement. Ok, donc comme je disais, voilà, c'est une bourse qui est entièrement financée, mais ça va dépendre de ce que eux ils vont vous proposer. Voilà, si vous avez cette bourse, ça va dépendre de ce que eux ils vont vous proposer. Voilà, donc soyez un peu plus patient et puis postulez. Ceux qui ne maîtrisent pas le type de PayPal, parce que c'est le seul lien qui les relie. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, vous pouvez me faire signe et puis voilà, puis je vais vous aider pour voir comment est-ce que vous pouvez postuler. Voilà, je vais créer un compte pour vous. On va créer un compte ensemble pour vous. Comme ça, vous allez pouvoir postuler un peu plus simplement. Et n'oubliez pas, vous voyez le numéro qui sont là. Voilà, vous pouvez me contacter pour un groupe de coaching. Vous pouvez être dans le groupe de coaching pour que on puisse mieux vous coacher pour pouvoir postuler. Alors donc c'était un peu ça, c'était Zamospita. N'oubliez pas de partager la vidéo et puis laissez-moi un pouce bleu et à plus.